Bonsoir les investisseurs, bonsoir les investisseuses. Ce soir, je vais vous dévoiler le secret pour s'enrichir, pour un jour atteindre la liberté financière. En fin de compte, c'est très simple. Et le truc principal, c'est dépenser moins, gagner plus. Et oui, ça paraît tout con et c'est tout con. En effet, si vous voulez épargner et qu'actuellement vous estimez que vous n'arrivez pas parce que votre salaire vous donne à peine de quoi vivre, en fait, le secret, c'est de réduire vos dépenses. Donc, en réduisant vos dépenses, c'est de l'argent que vous pourrez économiser. Et l'autre secret, entre parenthèses, c'est d'augmenter vos revenus. Alors, pour augmenter vos revenus, vous pouvez soit essayer d'obtenir une promotion, essayer de négocier une hausse de salaire avec votre patron, ou alors de trouver une activité accessoire. Mais voilà, imaginez que vous avez un salaire, je ne sais pas moi, de 1500, 1800 euros. Essayez de réduire par exemple vos dépenses de 250 euros, ce qui n'est pas impossible non plus. Et essayez d'augmenter en parallèle votre revenu de 250 euros. Donc vous voyez, vous économisez 250 euros dans vos dépenses. Vous essayez d'augmenter vos revenus de 250 euros. Et ça peut être, comme je vous ai dit, via une activité accessoire par exemple. Et vous voyez, vous aurez trouvé de quoi investir en fin de compte 500 euros. Après, je vais vous donner un autre petit truc, c'est la règle des 200. Alors, qu'est-ce que la règle des 200? Eh bien, en fin de compte, si un jour vous voulez atteindre l'indépendance financière, il va falloir 200 fois le montant que vous souhaitez toucher chaque mois. Exemple, vous voulez vivre, je vais donner un chiffre simple exprès pour vous donner l'exemple. Vous voulez toucher 1000 euros par mois. Imaginons que voilà, vous arrivez à vous serrer la ceinture et que 1000 euros soient suffisants pour vous parce que peut-être vous avez déjà acheté un appartement et donc vous avez besoin de 1000 euros tous les mois. Il va vous falloir donc un capital de 200 000 euros. Et d'où sort ce chiffre magique entre parenthèses? C'est simplement un rendement annuel moyen, on va dire, de 6% par année, ce qui n'est pas quelque chose de trop difficile à atteindre. On sait que la bourse, certaines années, elle augmente de plus de 10%, mais on va faire une moyenne et estimer qu'en moyenne, on va atteindre 6% de rendement. Donc, si vous faites 200 000 euros fois 6%, vous allez obtenir un résultat de 12 000 euros. Et oui, vous l'avez dans le mille. Donc, 12 000 euros par année, on est bien d'accord, ça fait 1000 euros par mois. Si vous voulez, par exemple, un jour toucher 2000 euros par mois, ça marche pareil. Donc, vous faites x 200, ça va vous donner 400 000 euros. Vous faites 400 000 euros x 6% et de nouveau, vous allez tomber sur 24 000 euros. Donc, 24 000 euros, 2000 euros par mois. Donc, avec cette règle des 200, vous allez en fait trouver de façon simple le capital que vous avez besoin en fait d'avoir pour pouvoir un jour être indépendant financièrement, donc de pouvoir vivre entre parenthèses sans travailler. Alors, vous allez me dire oui, mais 200 000 euros, 400 000 euros, c'est des sommes extrêmement importantes. Alors, oui et non. C'est-à-dire que devenir riche, en fait, c'est à la portée de tout le monde. Mais comme je le répète souvent dans cette chaîne, il n'y a pas de formule magique. Vous voyez, quelqu'un qui veut construire un château, comment il construit un château? En posant une pierre. Et c'est la même chose avec les économies. Il faut poser la première pierre, vous voyez. Et ensuite, c'est une accumulation de pierres qui vont construire un château. Et c'est une accumulation d'épargne, en fait, d'investissement qui va construire votre forteresse financière, voyez. Donc, en fait, il ne faut pas vous inquiéter si vous commencez avec des petites sommes. Le but, c'est de commencer, d'apprendre à investir. Et puis, vous voyez, la montagne, elle va pas se créer en un jour. Avec le temps, c'est faisable pour tout le monde. Et c'est ce que les gens souvent n'aiment pas entendre parce que souvent, ils veulent la solution magique qui fait que vous allez devenir riche du jour au lendemain. Mais statistiquement, en fait, il y a très peu de chances pour que ça marche. Vous voyez, c'est comme devenir joueur de foot professionnel, comme de gagner au loto, comme de… vous avez la super idée et puis vous montez la super entreprise qui vous permet de devenir millionnaire du jour au lendemain. On parle de cas exceptionnels qui vont arriver à une personne sur un million. Donc, statistiquement, ça ne marche pas.
Par contre, de devenir riche en investissant petit à petit et dans le temps, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Tout le monde peut y arriver. Et peu importe le montant avec lequel vous commencez, l'exemple que j'ai donné en début de vidéo où je disais que, par exemple, il fallait investir 500 euros, si c'est beaucoup pour vous, commencez avec 200. Si 200, c'est beaucoup pour vous, commencez par 100. 600, c'est encore trop pour vous. Commencez avec 50, mais l'important c'est de commencer à épargner et commencer à investir. Et ensuite, plus vous aurez d'argent et plus ce sera facile. En fait, souvent le plus dur c'est les premiers 10 000 euros. Vous voyez, c'est déjà un cap pour beaucoup de personnes d'épargner 10 000 euros. Mais vous verrez qu'une fois que vous aurez 10 000 euros, les 10 000 prochains euros seront encore plus faciles à obtenir. Quand vous aurez 20 000, de passer de 20 000 à 30 000 sera plus simple que de passer de 10 000 à 20 000. Et Warren Buffett, par exemple, il disait, qu'est-ce qui était le plus dur en fait pour devenir millionnaire? Lui disait que c'était d'économiser les 100 000 premiers euros. Parce qu'une fois que vous avez atteint ce palier de 100 000 euros, en fin de compte, toutes les connaissances et toute la discipline qu'il vous aurait fallu pour atteindre les 100 000 premiers euros, c'est ça en fait qui vous faut pour générer le reste de votre fortune. Et ensuite, votre argent va commencer à travailler pour vous. Et en gros, vous ferez la moitié de l'effort et l'argent en fait que vous aurez placé fera le reste pour vous. Et ça deviendra de plus en plus facile parce que les intérêts composés sont vraiment la huitième merveille de l'univers. Parce qu'il y a un certain moment, on sait que par exemple au bout de 5 ans, peu importe le montant que vous mettez de côté, imaginons que vous arrivez comme moi à mettre une somme qui est assez importante, mais 2 000 euros par mois. Au bout de 5 ans, votre argent mettra les 1 000 euros à votre place. Donc vous voyez, si vous continuez à le faire, bah, ça va doubler en fait, ça va carrément doubler l'effort. Ça veut dire que, imaginez, vous mettez 1 000 euros tous les mois. Au bout de 5 ans, vos rendements, ils vous rapportent eux-mêmes 1 000 euros, 1 000 euros chaque mois. Mais si vous continuez à faire votre apport de 1 000 euros, vous voyez, ça va aller deux fois plus vite. Et ensuite, les durées pour que le montant que vous placez se double, il va être réduit dans le temps. Vous voyez, si vous avez déjà un patrimoine de 200 000 euros, ça ira encore plus vite. Et ensuite, vous allez atteindre les 400 000 encore plus vite, les 800 000 encore plus vite, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une courbe. Ce n'est pas une courbe qui monte comme ça, c'est une courbe qui fait. Enfin, là, on ne le voit pas à l'écran. Je vais essayer de venir plus derrière, qui monte de façon exponentielle, en fait, quoi. Donc, lancez-vous, commencez le plus vite possible. C'est le facteur temps, comme je le répète souvent, qui est le plus important. Vous voyez, c'est comme de planter un arbre. On dit quand est-ce que c'est le bon moment de planter un arbre? Alors, le bon moment, c'est maintenant, et le meilleur moment, ça aurait été hier. Vous voyez? Donc, plus vite vous planterez votre arbre, plus vite vous allez récolter des fruits. C'est la même chose pour vos investissements. Plus vite vous allez placer votre argent, plus vite vous allez obtenir des dividendes et des rendements de vos placements. Donc, commencez maintenant. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner cette astuce des 200. Et vous pouvez faire le test, ça marche. Et pour vous inciter vraiment à passer à l'action. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui écouteront ça en journée. Et je vous dis à très bientôt, les investisseurs et les investisseuses.